Et salut à tous, VOD numéro 43, enfin j'en sais rien. Donc on avait deux petits points de compétence, où est-ce que je les mets? Je comptais les mettre en force, mais ça c'est quoi? Ouais, bof. Ouais, ça c'est quoi? Ça c'est très bien ça, ça il me le faut absolument. Et l'autre qui augmente la force brute aussi, c'est intéressant. Hop, nickel. Hein. Mais du coup, bah j'étais perdu, c'est vrai. Ah, l'interconnecteur doit être réparé, donc je ne passerai pas par là. Je sais pas ce que c'est que cet interconnecteur, mais je devrais refaire toutes les. Les planètes sur lesquelles je suis passé dès que je l'aurai réparé, parce que putain, tout ce qui me manque. Ok. Oui! Et du coup, je suis juste redescendu. Nice. Un dégât, je trouve. Laisse-moi tranquille. Y a quoi là-bas? Non, ça c'était la descente. C'est pas ça que je voulais pousser, il me lance une roquette dessus le jeu. Voilà, hop. Salut. Je suis sous un site de fouille impériale. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il continue de me tirer dessus. Les impériaux savent que tu es le Jedi de Braca. Ils recherchent le Mantis en ce moment même. Le Mantis peut pas bouger? Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. Oui. Perpecto. Un petit point de sauvegarde. Ah, et un bouton. Bip. Où est-ce que ça mène? Ça a pas l'air super safe. C'est quand que tu es sur Kashyyyk? Bah, dès que j'aurai fini de faire tout ce qu'il faut faire sur cette planète, du coup. Parce que là j'ai un nouveau pouvoir et je pense que grâce à lui je vais pouvoir débloquer plein de choses. Hein. Et merde. Hop. Comme je vais pouvoir par exemple péter ce truc. Ah non, mais c'est pour. Ah, mais du coup je peux refaire toute la planète. Avec des shortcuts maintenant. Oh, bah je vais faire ça. Enfin, je peux. Je vais. Je vais retourner à l'endroit parce que j'avais vu que si on prenait le premier transporteur, ça nous ramenait à la surface et il y avait un autre chemin. Enfin, il y avait une sorte de grosse porte qu'on pouvait ouvrir et je l'ai pas ouverte et je vais voir ce qu'il y a après. Ah, et je voulais récupérer aussi un truc. Et pourquoi le Mantis se fait tirer dessus? Attends, 2 secondes. 2 secondes, 2 secondes. Il y a un AT-AT. Un TST. Ah, c'est quoi? Oula, mauvais bail ça. Oula, c'est quoi ça? Ok, je peux le taper ou pas? Il y a une autre box à côté. Pas des snipers là? Ça, je sais pas si je peux les renvoyer, donc dans le doute. Hop.
Eh ben, c'était chaud là. Allez. Hop. Tester vaincu, bah. First try, évidemment. Attends, vas-y. Bonjour. Tu fais quoi? Mais je vais te démonter en fait. Ben oui. C'est con ce monsieur. Voilà. Il se fait plus tirer dessus le Mantis. Je veux juste avant de refaire toute la planète, je veux juste changer le style de mon sable laser. Oh. Il a l'air d'aller super bien le Mantis là. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Non, je veux pas partir tout de suite. S'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookie, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookiees. C'est de l'acharnement. Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisé. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. Nice. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Ok, moi je vais planter une plante. Ça commence à pousser. Enfin, je vais planter autre chose qu'une plante. Oh! Bien. Non, petit tas de merde. Alors, ce que je voulais aussi, c'est modifier mon sabre laser. Alors, méditer un petit peu, oui, si on veut. Non, on veut pas. Hop. On médite. Alors, couleur. émetteur. Putain, il est vraiment immonde celui-là, hein, c'est ouf. Je vais remettre celui de base, hein, il est vraiment trop classe. Bof. Très moche, très très laid. Celui-là est vraiment sympa. Hein. Mais le truc, c'est que les boutons blancs, ils sont un petit peu... Bon, remarque, ça va. Hein. Ouais, je pense que je vais laisser ça. Ça, c'est dégueulasse. Tirer une poignée en cartonné dégueu. Ah, c'est vachement classe. J'aime bien. J'aime bien, mais en noir, ça rend pas trop. Bon,
Bof, ça c'est dégueulasse. Ça se fait très sabre laser du côté obscur, mais... Enfin, tu sais, je suis côté lumineux, donc c'est un peu compliqué d'eau. Ouais. Ouais, je pense que je préfère celui-là. Hein. Alors, Osmiridium, c'est pas beau. Oula, celui-là il est bien classe. J'aime bien celui-là. Bof. Bof. Et sympa. Sympa, sympa. Je prends le nord. Wesh, du côté lumineux, c'est quoi le problème? Évidemment. Peut-être que si je change. Ouais, non. Non, non. Hop. Par contre, vraiment, je sais pas. Le double sabre, je kiffe pas trop. C'est pas trop mon genre. Non mais... In Heaven, ce n'est pas Swator. Cependant, qu'est-ce que je voulais modifier? Ouais. Berk. Bon, en bleu, j'aime bien. Et Pancho. Pancho, celui-là est vraiment mieux. Yep. Ok. Alors, par où est-ce que je dois passer? Si je passe par là, ça me mène là. On va tester au pire. Non. Non, je suis un Jedi. Regarde, mon sabre, il est bleu, c'est que je suis un Jedi. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais non, mais là, c'est le chemin de base, en fait. Aïe. La fuite. Qu'est-ce qu'il y a par là? Je suis sûr qu'il y a un secret. Ok, il y avait rien. Je pense qu'à un moment dans l'histoire, on va retrouver un secret bien, bien, bien caché, genre derrière. Derrière un bâtiment, ou presque en dehors des limites de la map. Enfin, pas à un moment dans l'histoire, mais un plus tard dans le jeu, ça que je veux dire. Il n'y avait pas un autre raccourci à droite aussi? Ah oui, mais dans tous les cas, je vais débloquer ce truc, donc hop. Hop, hop, hop. Mais TP, t'en fais pas, j'irai sur le planète dès que j'aurai fini de tout bien fouiller. Mais... Laisse mon Mexicain tranquille. T'as rien fait. Perfecto. Alors, oui, le pont. Vrai. 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 Semble un peu risqué, mais... Hop là. D'accord, sympa comme petit shortcut. Voilà, c'est cette porte-là dont je parle. Je sais pas où est-ce qu'elle mène. Aussi des portes en bas à skip, mais c'est un peu loin ça. Je te vois. Allez. T'es sûr d'être un Jedi? D'accord, je voulais tester cette compétence aussi, le coup de pied. Ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Attendez. Attendez, hop. C'est bon, il est sur sa petite base. Hop. Nickel.
Alors, désolé, hein, si vous me dites si je traîne trop, je ferai semblant que ça m'intéresse. Alors, voilà, c'est bon. Hop, hop. Vas-y, fonce, monsieur. Perfecto. Mais insupportable, les lance-roquettes, l'eau. C'est pas grave, ça n'a rien passé. Perfecto. Ouh là là. Bonjour. Vous êtes mignon. Non, trop tôt. Vous êtes mignon comme tout. Hop là. Mais... Aïe aïe aïe. Perfecto, enfin. Pourquoi il y a son cadavre qui a volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, tu lui donnes un petit coup de... Une petite poussée de force et ça le réactive. Intéressant. Sympa ça. Oh, il y a un point de méditation ici. Okay. Comment on fait pour aller en haut de base? Je pensais que c'était un souvenir moi. Ah, d'accord, mais on va pas en haut de base en fait. Faut monter. Oulala! Oulala la 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 la! J'ai vraiment réussi à m'accrocher. Non!
Alors, où est-ce que ça nous mène? Oh, un souffle. Stormtroopers ont déplacé cette pièce. Quelque chose les préoccupait. Ils avaient hâte de trouver des reliques. Perpecto. Et en plus, ça me fait un petit shortcut. Par contre, c'est où ça en fait? Ah, ok. Oui, donc je viens de là. Très bien. Oui. C'est un caillou. Qu'est-ce que le jeu est beau. Pourquoi il me fait regarder en haut? Bonjour. Nickel, hein. Je suis déjà passé par là. Est-ce que c'est par là qu'il faut passer? Non? Ah non, bah non. Non, pas du tout. Ça met nous ça là. Ça ramène derrière. Ok. D'accord. Ah, il y a un truc que j'ai pas exploré ici. Comment ça, j'ai pas exploré cet endroit? Il y avait un truc par là? Ah oui, mais il me fallait le beeper. Enfin, le transcodeur qui doit être réparé là, je sais pas ce que ça. Ok. Pas de secret ici non plus. Nope. Ok. Salut Ghost. Comment va? Pourquoi ça? Pourquoi le vent il est activé ici? Perfecto. Il n'y a rien ici non plus. Attends, je cherche tellement tous les secrets du jeu. Non, il n'y a rien. Ça va, ça va. Tranquille, tranquille. Voilà, cette grosse porte. Qu'est-ce qu'elle contient? Oh, c'est bon, tu fais pas ta chochotte non plus, pas si fort. Ah bon. Ah oui. Vrai. Et ça, je peux pas l'ouvrir. Ok, bah, je verrai plus tard là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne m'attendais pas à ça. C'est une statue Zepho géante, donc je pensais trouver des objets Zepho. Mais il est passé où le robot? Où est-ce qu'il est? Le robot? Eh oh! Salut bébé! Ça roule, hein? D'accord, pourquoi tu descends de mon épaule pour faire ça en fait? Donc cet endroit ne sert à rien. Très bien. Tenir l'amélioration. Il devrait pouvoir remplacer le tien. On va te réparer, mon pote. Si je fais ça... Perpecto. Tu veux l'essayer? Le mec t'agresse et après il se plaigne que tu es sué, j'avoue, mec. Pourquoi dans Star Wars, l'Empire attaque la République? Et après, ils se plaignent de perdre, ils sont cons, là. What the fuck? Ils sont débiles, l'Empire. Trop bien. Du coup, t'es en train de me dire que je vais pouvoir ouvrir toutes les caisses que j'avais vues qui nécessitaient l'interconnecteur?
Bah je vais faire ça. On va beaucoup s'amuser sur mon live-in donc. Attends, j'ai une question. Question sérieuse. Est-ce que vous préférez qu'on se focalise sur l'histoire, hein, tout en cherchant un petit peu quand même les secrets pendant qu'on l'a fait, pour finir le jeu le plus vite possible et après repasser? Ou préférez que, avant d'aller sur la planète que je viens de débloquer, que je repasse sur toute celle d'avant où il y avait les trucs interconnecteurs nécessaires pour être sûr de rien oublier? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que je repasse après ou est-ce que... tu m'emmerdes, Azu. Dis pas oui aux deux, c'est pas possible. Comment faire? Parce que je me dis que si je finis le jeu, je sais pas si j'aurai la foi de repasser sur toutes les planètes après, ça me... je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais créer un petit sondage. Hop, 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 hop. C'est où? Sondage. Ah, créer un sondage. Je fais quoi? 14 points d'interrogation. Joseph, tes secrets. Perfecto. Hop. Pas obligé de repasser sur tout ce que tu as loupé, mais pour la suite, tu peux quand même explorer un peu plus que ce qui est prévu dans l'histoire, oui, mais... un peu des deux, quoi. Enfin, surtout le premier, quoi. Car je comptais pas snobber... enfin, je comptais pas aller tout droit non plus, tu vois. Pour le moment, sur le sondage, il y a un vote pour vérifier. Et un vote pour Osef de secret. Ça m'aide pas beaucoup. Bon, bah écoute, je vais faire les deux en même temps. Bouillou, bouillou. Hop là. Super. Après, ça vaut le coup de faire les secrets. Bah ouais, exactement ce que je pensais. Donc je vais juste écouter ton avis et je vais m'en foutre de ceux de tous les autres. Par contre, pourquoi j'ai glissé là? Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Nickel. Nickel. Hop. Une box. Comme ça, t'as pas besoin de revenir. Ouais, mais au final, je reviens. Enfin, le truc, c'est que je me dis, imagine, je reviens sur le planète pour faire tout ce que j'ai manqué car j'avais pas les outils nécessaires. Sauf que je me rends compte qu'il manque encore un outil. Et que je débloquerai encore plus tard, j'ai un petit peu la flemme de revenir, tu vois, c'est un petit peu... Ouais, je vais suivre mon instinct de Jedi, comme dit Azu. Ah non, personnalisation, le mantis, je vais mettre ça. Quand même vachement plus classe. Ok, je viens. Attends, ligne-toi bien. Merci. Pourquoi je suis encore en combat? Il est pas mort. Il est vraiment en train de tout remonter. Mais... what the fuck? Mais ce jeu hanté, mais... au secours. Alors... c'est quand même une grosse machine, hein. Salut Nightbot, toujours aussi utile.
ça vole maintenant les Stormtroopers, bah manifestement. Pas savoir. Au secours. Pouette. 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 Comment il a fait pour pas mourir de la, pour pas mourir de la chute? Bah... Je sais pas, il... Qu'il est vachement musclé. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est un sens du détail messieurs. Ça c'est magnifique. Attends quand même. Quand même. Les lumières volent mais... Bravo. 10 sur 10. C'est ouf que dans. Oh là là mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, je reviens juste. Oui. Ok. Bah nice. Il n'y a plus rien là, c'est vrai. Okay. Bon, est-ce que du coup j'ai visité tout ce que j'avais à visiter? Pourquoi il y a des trucs rouges là qui volent? Le savoir. Ah, bah oui, du coup. La grosse porte qu'on avait vue. Ici, même il va dire ouais, les vaisseaux impériaux, tout ça. Non, il l'a déjà dit. Okay. Même là, il y avait un secret. Yep, c'est ça. Bah oui, je peux l'ouvrir maintenant, cette grosse porte. On doit ouvrir cette porte. Si on tombe sur un jetage, bah, toi tu me couvres, et moi je couvre. Et voilà, merci. Oh. Bah, je m'en occupe. Bon, d'accord. Mais. Salut, ça va? Bonjour. Ah, druide astromécano. Ça se passe bien de ton côté, BD1? On doit l'ouvrir. Hop. Oh. Pas d'un artefact manquant. Hop, on se met full life. Il a tué R2-D2. qu'est-ce que je peux voir? C'est quoi ça? Ouais, ça je pense que je vais le prendre car c'est plutôt intéressant. Ça, non, ça m'en fout. Oh, peut être intéressant. Ça c'est quoi? Et ça c'est cool ça aussi. Je pense que je vais prendre ça. Ok. Attends. Aïe aïe aïe. M'en fous. Vraiment? J'ai vraiment une compétence qui... Ah non, c'est quand je cours sur les murs. Pas quand je suis sur un mur. Bon. Mais... Des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. Putain, mais vraiment. T'es en train de me dire que les devs avaient pas d'inspiration, du coup ils ont fait parler à un robot qu'on peut pas comprendre. C'est bien ça. Nice, EA.
pecto. Jedi, attaquez avec prudence. Entendez, trouvez une faille. Baissez-vous. Là, je suis foutu. Il a pas l'air d'aller bien. Roger, ça sera entre toi et moi. J'ai besoin d'un steam. Aide-moi, BD. Perpecto. Nickel. Hop, attends, la VOD dure combien de temps là? 37 minutes, bon ça va. Je vais continuer un petit peu. Bonjour. S'ouvre pas, effectivement. Et évidemment. Attends, je suis déjà passé par là. Ok, je veux pas passer par là, c'est pas grave, j'ai rien dit. Mais vraiment. Voilà, je l'arrête 3 heures. Voilà, c'est bon. On reprend. Ah, attendez. Je continue ou pas? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux m'accrocher là? Ah non, mais il faut un sort. Ah, il faut la traction de force. Un truc du style. Ouais, bien joué. On doit ouvrir cette porte. C'était sur moi. Non, remonte. Ah, c'est un raccourci. M'en fous. Je peux remonter du coup. C'est reparti. J'ai ouvert où? J'ai ouvert là. Hop. Ah, est-ce que c'est un boss? Un mini-boss? Par contre, je vais pas t'apprécier si t'esquives chacun de mes coups. Non, c'est quoi? Ouais. Ah. Bah yes. Perpecto. Et je peux pas passer? Non, il faut que je le tue pour passer. Il a... Peut-être qu'il est pas considéré comme mort. Ah non, faut que je passe par là, je suis juste con. Ça va alors, ça me rassure. Le truc, moi. Y'a rien à tirer, rien à tracter, si. Non. Peut-être que je pourrais passer là après. Bon, je sais pas. Je sais pas. Ah, bah super ce boss. Yes. Wouah. Sauvegarder. Nickel, hein. Bon, bah j'imagine que quand il faut. On peut plonger. Oh, il est devenu bleu mon Pancho. Mais c'est tellement classe. Pourquoi il est devenu bleu? Il est devenu... D'accord qu'il est bleu et noir là. Ah non, c'est la même. Je pense que c'est le même truc avec la robe qui soit dorée et jaune. Soit dorée et jaune, yes. Soit dorée et blanche, soit bleu et noir. Attendez. Hop. Mais c'est incroyable. Hein. C'est trop bien.
bref, peu importe. Allons-y. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. T'as vu ? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça ? Il y a comme une vieille odeur d'huile. Il y a comme une odeur de pisse. C'est cette eau. Quand je pense que Dark Vador a une armure trop cool juste parce qu'il fait de l'asthme. C'est vrai. Ah, et ça mène aux mines. Ah, d'accord. Ok. Mais du coup, si je continue par là, parce que bon, je suis passé par la gauche, mais ça se trouve, j'ai loupé quelque chose. Ça se trouve, j'ai rien loupé, mais dans le doute. On est d'accord que quand je vais dans la flotte, on a l'impression qu'elle devient... Qu'il devient noir et bleu, mon pancho. Je vais dire mon armure, mais... Mais, hein. Je pense que je vais aller voir le vaisseau avant. Hey, Gris, radio. T'es occupé ? Bah, j'ai essayé de regarder... Enfin non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment ? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... À plus. Il est en train de se branler ou c'est quand ? Allez, attaquez-le ! Allez-y, les rats ! Tu es éliminé. Oseille. C'est pour ça qu'il est mouillé, mais arrête. Vite, le rat attaque. Mais aide-moi, le rat. Allez, vite. Mais pourquoi tu me focus? Ok, faut faire B pour les esquives, pas A. Bah je vais démonter ce rat, du coup il sert à rien, il est éliminé aussi. Mais... Vite, Médère. Ah, exécutez. Perfecto. Donc, disions-nous. Oh, salut Link, putain, mais ça fait tellement longtemps que t'es pas passé. Tu parles qu'en onomatopée, du coup. Ah, qu'est-ce qu'on se marre avec Azu. Toujours là pour amuser la galerie. Sale con, va, pardon. Super violent. Alors... Y'a rien à voir ici? Oh! Mais je sais que je suis pas du tout en train de faire ce que le jeu veut que je fasse, mais. Mon fou! Ah, la VOD, peut-être. Que là, ça fait longtemps. On va voir. Les VOD, ça fait 45 minutes. Je pense que ça ira. Dites-moi si vous voulez des VOD plus longues. J'en aurai rien à foutre. Bisous. Au revoir, YouTube.